Salut à toi, c'est Sylvain, bienvenue sur RenoWatch. Bon, alors je vais te dire pourquoi depuis 2 ans t'as pas de nouvelles de moi. La dernière vidéo c'était juste avant le confinement. Je coulais, je démontais mon linteau côté façade et j'allais couler après l'intérieur le linteau en béton et monter mes pierres une à une. T'inquiète pas, les vidéos je les ai bien de côté. Je vais répondre à vos questions les plus communes, pourquoi j'étais pas là pendant 2 ans sur YouTube. Mais bon, pendant ce temps-là, la chaîne, elle continuait à avancer tranquillement. Donc c'est parti, je réponds. Donc tout d'abord, pourquoi ? Le premier point qu'on va voir, je vais vous expliquer pourquoi plus de vidéos pendant 2 ans. Et en deuxième gros point, ça sera le ou les projets futurs. Je vais vous les expliquer. Donc premièrement, pourquoi plus de vidéos pendant 2 ans? Alors la première raison, c'est qu'il y a eu des gros travaux et j'ai été tout seul à faire les vidéos. Donc du coup, quand on fait les travaux, et bien pour filmer en même temps, c'est pas ça. Mais ça prend beaucoup de temps et entre la réalisation des vidéos, le montage des vidéos, parce que le montage, moi je suis pas monteur, hein. Je suis monteur de parpaing, mais pas de vidéo à la base. Donc en moyenne, je mets environ 4 heures quoi, pour mettre en place une vidéo. Donc ça prend du temps. Et j'avais plein de choses à faire. Il fallait rentrer dans la maison un temps donné. On s'était mis des objectifs. Enfin, je m'étais mis des objectifs. Et donc voilà, ça a été un peu compliqué pour tourner des vidéos en même temps. Donc, deuxième point aussi, j'ai eu les deux petits derniers qui sont arrivés dans la famille. Un petit gars et une petite fille. Donc du coup, c'est pareil, ça prend du temps. Surtout, c'est ma femme qui fait beaucoup. Mais il faut quand même que je sois présent. Donc pour allier travail et vidéo, plus ses enfants, plus... Quand je fais des vidéos au début de la chaîne, ça rémunérait pas, ça rémunère toujours pas, mais il fallait que j'atteigne un certain nombre d'abonnés pour mettre des publicités. Bon, je vais pas, peut-être je vais vous en mettre une dans cette vidéo ou pas, je vais voir. Mais tout ça, ça prend du temps et ça rémunère pas beaucoup. Et dernièrement, troisième point, pardon, c'est que dans l'entourage, en fait, les voisins, ce que j'ai créé avec ma femme, cette maison qu'on a retapée, qu'on est en train de retaper, ça crée des jalousies. Donc, les vidéos que je mets sur YouTube, elles sont réfléchies pour pas montrer trop de l'intérieur de maison, trop dévoiler de ma vie, parce qu'il y a des gens jaloux qui nous veulent du mal. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi stoppé d'un coup, d'un seul, la publication de vidéos. Voilà. Je vais pas parler plus là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis toujours visible sur Snapchat. J'envoie des vidéos de temps en temps. Donc voilà pour ces 3 points dans ce premier thème d'explication. Deuxième point, après vous m'excuserez, j'ai perdu le fil à faire des vidéos, la fluidité. Ça va revenir, c'est pas grave. C'est juste de se remettre à faire ça. Ça me plaît. C'est juste que j'avais plus de temps. Voilà. Et donc, je vais trouver le temps et je vais vous faire d'autres vidéos. Donc, deuxième grand point, les projets futurs. Donc, je vais aller dans les grandes lignes. Et sûrement dans d'autres vidéos, je m'expliquerai un peu plus sur chaque point. Donc, le premier point, c'est que je vais ouvrir un canal Telegram. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un canal où on est maître de ce qu'on publie et on accepte les personnes qu'on souhaite dans ce canal et non tout le monde comme dans les recherches de Google. Donc dans ce canal, je vais proposer déjà d'une pour ceux qui me suivent depuis longtemps des vidéos, mais pour montrer l'intérieur de la maison, l'extérieur aussi, et l'avancement des travaux, comment ça s'est passé. Je ne ferai pas des grosses vidéos, mais par contre, je le ferai en petite vidéo sur téléphone qui vous expliquera bien
comment j'ai avancé. Tout ça, ben, naturellement, c'est gratuit, hein, pour les gens qui se posent la question. Deuxièmement, je voulais mettre aussi en place un sondage pour savoir ce qui vous plairait que je crée comme vidéo dans le futur. Quelles sont vos attentes? Admettons, si vous avez besoin, parce que là, je refais une autre partie. Et donc, je vais avoir de l'électricité, du placo, enfin, du fermacell, du raillage. La toiture est faite déjà, vous voyez. Mais si vous avez des questions, vous mettez dans le commentaire et je vais faire un sondage et ce serait sympa. Maintenant, on est plus de 4000, donc on a bien avancé. Et d'avoir des réponses sur vos attentes. Je mettrai différents points et puis bah, vous répondrez. Ce serait sympa de jouer le jeu. Comme ça, on ira plus loin dans cette chaîne. Et si je peux aider un maximum de personnes, c'est le but aussi. Troisièmement, je vais par la suite sûrement créer une formation pour les débutants qui commencent dans le bricolage, dans les travaux, dans la rénovation. Savoir par où commencer, comment s'y prendre. Ce sera sur le canal Telegram, il y aura tout, tout sera indiqué. Il y aura aussi, je pense, une newsletter. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est moi je vais créer une page avec vous aurez juste à remplir votre prénom et votre adresse email. Et grâce à ça, vous serez tenu informé au jour le jour de tout ce qui se passera si vous voulez pas rentrer dans le groupe Telegram, de tout ce qui se passera en temps réel sur la chaîne, sur le groupe et toutes les actualités. Après, je vais pas vous faire de spam. Ça se trouve, je vais faire un par semaine. Annuel par semaine, peut-être 4 dans le mois, mais ça sera bien condensé, ça sera bien expliqué la suite de ce qui se passe sur cette chaîne et dans le canal. Il y aura aussi mon Instagram que je partagerai parce que j'ai mis quelques publications pendant que je mettais pas sur YouTube. Voilà, j'avais des petites publications qui me prenaient pas beaucoup de temps, donc je les ai mises. Et aussi, je vous parlerai du projet. Enfin, un beau projet, voilà, une personne qui m'est chère à mon cœur, personne qui s'est lancée dernièrement, mais qui est toujours dans le thème du bricolage, de la rénovation, restauration. Mais bon, ça, je vous en dirai un petit peu plus dans une prochaine vidéo, je décrirai vraiment le projet. Voilà, c'est une personne qui m'est très proche, très très proche. Voilà, bon, ben, j'espère que j'ai pas été trop long. Hein. Là, on est. Ouais, tant de temps, je ferai des petits montages pour que ça soit condensé, pas trop embêtant à écouter. J'espère que j'ai pu répondre aux questions majeures auxquelles vous posiez. Et j'espère que vous jouerez le jeu. Je vais, je pense, mettre le canal Telegram dans la description. Tous les liens nécessaires sont dans la description. En dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao!